On est au sommet des Lofoten, voici notre film. Un peu dense, enfin semi-dense, mais on a une vue pas dégueu. Alors Yann, cette première sortie initiation, bon, on n'a pas choisi la facilité pour les gars, mais une fois qu'on sera sorti des fourrés, ça devrait aller un peu mieux. Vous êtes où les gars? Allez. Du voyage, je pense qu'on n'est pas trop mal pour le moment. Vous êtes passé où? Hein? J'ai plus de jambes! Allez, plus de jambes! Oh, ça rase! Ah, j'ai plus de cuisse! Ça tire plus, y'en a plus! J'aurais pas dû mettre la GoPro, ça sert à rien! Hein. C'est Clément. Oh,
petite montagne juste en face. Antoine est en train de faire caca dans le pantalon. C'est quoi le sommet, Clément, aujourd'hui? Le truc là-bas, là. C'est pas le nom. C'est quoi le sommet, Clément, aujourd'hui? Tout frasse, tout. It was at this moment Jackson knew. What's that? Nope. Salut toi. Oh le con. Je t'avais dit c'est gelé. Heureusement que c'est prêt. Mais c'est énorme, c'était ultra verglacé en fait. Ouais. C'était une bûche. Heureusement qu'après c'était poudre. Ouais. Mais en fait j'ai pris de la vitesse mais direct. Oui. Ouais. Bon, un truc important après le ski de rando, c'est la réhydratation. Et puis, bah, une fois qu'on est réhydraté, faut faire sortir les toxines, quoi. L'avantage quand on est en Norvège. On est parti sur un risque avalanche 4. Le test de compression est positif. Y a pas de risque. Salut, touristes. Oh, salaud. Allez, profitons. Thank you.
on taille un bloc et après on tire le bloc. Donc on tire petit à petit, hop là. Oh là là. Et là on voit que ça a cassé avant l'endroit où j'ai creusé. Et si on regarde la neige ici, on regarde, c'est des toutes petites pellicules, donc c'est une neige très très faible. Tu vas où, tu vas pas, Tony? Je mange mon dernier gâteau et puis je te dirai après. Il va pouvoir poser le drapeau français en haut de ce sommet mythique de 650 mètres. En gros, le Montou, quoi, pour ceux qui connaissent à Lyon. Ah oui, quelle vue magnifique!